Du premier tour de Coupe de France, on est rentré au second tour contre une PH, contre le Touac, qu'on a gagné à domicile 3-1. Aujourd'hui, on savait que ça allait être une partie beaucoup plus difficile parce que Castres est un adversaire de qualité qui descend de DH avec un groupe jeune mais confirmé à ce niveau-là. Je pense que sur les 90 premières minutes, on les a beaucoup trop respectées. On s'est perdu un petit peu à ne pas respecter le schéma tactique. On s'est perdu dans les placements, on a fait beaucoup de courses inutiles. Ce qui forcément on a payé dans la phase de prolongation où physiquement on était bien entamé. Malgré qu'on ait une balle de 2-1 qui aurait pu faire basculer et qui aurait pu faire une prolongation avec un visage complètement différent. Les efforts qu'on a fournis pour revenir à la 88e minute, on les a payés sur les 30 minutes de prolongation. Mais au-delà de la défaite d'aujourd'hui, c'est surtout qu'on repart avec deux blessés qui a priori sont assez importants. Donc un ligament interne et une cheville. Donc ça a bouleversé le plan de jeu dans un premier temps, mais surtout pour les garçons, deux blessés sur un match. C'est le troisième match officiel et c'est quatrième sortie sur blessure en trois matchs. Ce qui commence à faire beaucoup et malgré l'effectif étoffé qu'on a, c'est toujours douloureux de perdre des joueurs de nouvelles circonstances. Suite à ça, je trouve que personnellement, j'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage, mais je pense que les deux équipes ont été exemplaires au niveau du jeu. Et je pense pas que l'arbitrage ait été à la hauteur du match. Il y a plusieurs faits de jeu qui ont fait que c'était plus que litigieux. J'en veux pour preuve qu'à 1-1 pendant la prolongation, il y a quand même une main flagrante de la surface de réparation qui peut être signalée au moins par l'arbitre de touche si le central ne le voit pas. Plus plein de petites situations de ce style durant toute la rencontre. Ça pèse beaucoup sur un groupe qui pour nous est jeune, manque de maturité, manque d'expérience. Mais je pense que ce genre de match va nous aider pour l'avenir et surtout pour atteindre notre objectif principal de la saison, qui est de se maintenir en PH. Thank you.
Je suis triste pour les garçons parce que le score est très sévère à la sortie vu les efforts fournis. Et je pense aussi aux 15e et 16e qui étaient sur la feuille de match, qui n'ont pas pu rentrer et qui ont accompagné le groupe sans aucun souci, dans une très bonne humeur. On tombe dans un groupe difficile avec pas mal de voyages, notamment dans l'Aveyron et dans le Tarn, mais surtout avec des équipes qui ont tutoyé que le haut du tableau l'année dernière en PH, ou des équipes qui descendent de DHR, des réserves de CFA2, ou des équipes qui ont beaucoup de prétentions pour atteindre la DHR. Donc on a commencé par un bon déplacement à Mazamé, en terre difficile, par un score nul. On se déplace deux fois pour nos deux premières rencontres. Pour nous, l'objectif reste bien évidemment le maintien pour essayer de pérenniser les deux montées successives. Et je me répète, le groupe est jeune et c'est au travers de ce genre de match comme aujourd'hui que malgré la lourde défaite dans les prolongations, on progresse et on apprend beaucoup.